bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est toujours en Angleterre et on est sur un petit spot que l'Astoro connaît bien. Et on va essayer de faire chacun des petits challenges. C'est un gros parking aérien, les murs accrochent. Let's go. Bon, allez, pour s'échauffer, on fait un petit stick challenge. Yes. Oh, allez. Voilà, le défi est déjà fini. Il y a les flics. Il y a les flics qui sont là, mais j'espère qu'on pourra rester. Yeah. Yeah, we just had some reports that some people are concerned about. They said you're jumping over scaffolding, is that right? Scaffolding? Yeah. Yeah, we're just. Is it parkour you guys are yeah, doing? Yeah, oh, cool. Oh, okay. Yeah. All right, we're just on this area here, not on any scaffolding or oh. any. Oh, okay. Yeah. We're not on any of this part there. No. Okay. We're just doing it on these parts, which is usually fine. We've never really had any yeah. problems. Oh, all right. Cool. Sure. All right, we'll enjoy that. Thank you. Have a good day. Bye. Have a nice day. On peut rester. On peut rester. J'ai parlé un peu au boss. On a encore 5 minutes, donc on fait vite, les gars. Ah oui, on a que 5 minutes. Non, on peut rester en outil. Là, c'est chaud. Il veut faire un bras même hauteur. C'est sketchy. Le mur, il accroche de ouf. Du coup, à tout moment, il tombe en arrière. Du coup, avec Flo, on se met en parade. Ouais, c'est mais le problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup. Alors que normalement, un saut de bras, t'arrives genre là, tu fais glisser tes pieds tout le long. Et au moins, t'es tranquille. J'étais tellement pas loin. Je sais que s'il y avait eu plus d'espace, j'aurais pu le lancer. Bon là, Félix, il est en battle un peu mental sur ce saut de bras. Si tu fais un détente, tu cours dans le mur, ça va te rassurer. L'idée, c'est de trouver des autres petits défis sur le même mur pour qu'il ait un petit peu la sensation de grip sur le mur, comment le spot il fonctionne. Quand on est bloqué comme ça mentalement, il faut essayer de trouver des trucs un peu autour, de se rassurer, de récolter des informations. Et après, une fois que tu as collecté toutes les informations, bah là, t'as tous les trucs pour lancer ton saut et t'y vas. Yes. 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 Tranquille. Ouais, mais je sais pas pourquoi, j'ai eu vraiment trop peur. Le mur, il fait trop badé en fait, il accroche beaucoup trop. Ah yes, merci. Ouais, ça fait trop plaisir. Oui. Oh, yes. Yes. C'est le retour du Taylor. Yes, baby. Petite line, ce que j'aimerais faire, c'est 3-6 stride. Enchaîner jusqu'à la dernière barrière jaune. Faire un petit speed step. C'est de pécor. Oh les. Ce serait nice. Ça, ce serait putain de stylé. Oh. Bon, Dieu. Oh, gros.
en plus, je me suis dit, vas-y, prends ton temps. Et puis en plus, j'ai vu mon pied glisser, j'ai fait, oh, fuck. Imagine, là, tu la vois une chaise. Oh, j'ai rebondi sur le sol. Le scoot full, il s'est mal passé en fait. J'ai mal posé mon pied sur le mur et du coup j'ai fait à moitié un wrap. Sauf que je me suis ouvert au milieu de la foule et j'ai fait un grand plat. Donc là ça va être abandon du projet parce que bah je me suis bien râpé le coude. Et surtout en fait j'ai la hanche qui a tapé pas mal. Et je sens que je vais avoir un sale bleu. Je pense que pour ce spot ça va être fini. On va tous aller manger un bon repas et puis bah changement de spot. Let's go. Vas-y, j'ai trop envie de faire un side press là, entre les deux poteaux. Y'a Maximus qui veut me rattraper. Hey, ok. Daron. I've got a pillow. What's a pillow in French? Oh, mais il l'a vraiment. Ok, moi je fais trois petits presses. Mais okay, je vais refaire un side là. Et... Mais il fait toujours plein de trucs inutiles, genre avant de partir, je sais pas pourquoi, genre là il délace ses chaussures pour les relasser. Alors déjà, non mais déjà il y a un truc tu vois, déjà c'est du 43, je suis du 42, déjà il y a un problème. Du coup je fais pas le fou, je les resserre tu vois. Wesh! Wesh! Oh, it's just here! Allez, mais dis! Non! Ce putain de sketch, il met toujours 10 ans à lancer! C'était son meilleur spectacle, il a jamais eu autant de monde pour un spectacle avec autant de public. Putain, enfin, à 3h. Thank you, man. Non, sorry, I'm so long. T'as mis 12 minutes. J'ai mis 12 minutes. Ah la vache, tellement de temps, gros. Ouais, c'est mon meilleur spectacle. Venez à mes spectacles, voilà, au Zénith de Paris prochainement. Je prends tellement de temps. It was unbelievable. Unbelievable. Britain's Got Talent would have nothing on that one. Alex, you want to try it? Flip-off! Le cinéma qui nous a ouvert à midi, c'était incroyable. Moi, je suis chaud d'aller manger. You have to be crazy to ouais, moi aussi. On essaie de trouver un spot et il y a beaucoup d'habitations et tout. Du coup, on essaie vraiment de s'excentrer de ouf. Et là, on est en train de lui mettre tout pas au van parce qu'il y a une montée genre vraiment vénère. Mais normalement, on va trouver un bon spot. Et il faut absolument qu'on réussisse à faire un feu parce qu'il fait trop froid. Il commence à cailler de ouf et là, on a envie de se réchauffer. Ça va le faire. Ah, le bourbier! C'est n'importe quoi ce qui se passe. On a été obligé de pousser le van tellement ça a patiné dans le champ là. On est en Italie ou quoi là? Moi je sais pas vous. Non mais franchement je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais on va faire un gros feu, genre à base de bois. Ah il n'y en a pas. Il y a même pas d'arbre à côté. On va aller partir à la chasse au bois et on va faire un petit feu pour se réchauffer parce qu'en fait moi j'ai vu le météo, j'ai vu 20 degrés, je fais ouais tranquille, il fait 5 degrés. À table, à table, let's go. Ça c'était... Tu sais, c'est un monde dans ma vie qui reste en... Bah mec, j'ai aimé. Je suis super. Je sais pas, il se fout la honte à lui-même, tu vois. J'adore ce rush. Abusé. Mais lui, il mange pas, il baffre. T'as déjà vu dans les animés, là, quand il fait... Ah, mais toi, c'est une rêve à chaque fois. On vient de débarquer sur le spot de Rotting Ding.
Et là, il y a un petit coucher de soleil qui se prépare. Ça va être une petite session bien sympa. Il y a les gars qui ont repéré des challenges. Tellement plaisir de bouger sur ces spots qui sont franchement vraiment, vraiment cool. Quoi. Allez. Yes. On a il guette la chaussure comme un élastique. Oh, wow. Ça brille vraiment, mais genre comme un souvenir. Un bon petit grip victorieux. Tu sens comment, Mathieu? Je sens bien. Faut pas trop que j'attende moi dans ces moments-là. Quand je sens bien, faut y aller. Pardon. Je pousse, pousse, là. Là, j'ai tout le ralenti, hein. Ouais. Si je ralentis pas, ça part fort. Putain, mais j'arrive vraiment trop vite. C'est horrible. Je vois même plus les pieds. Je cours tellement là. Oh, c'était chaud. Oh là là, le petit crème là. Cette réaction à chaud? Bah là, je suis encore chaud, donc j'ai pas mal. Mais peut-être que demain j'aurai mal. Il est vraiment fat. Faut courir, faut cavaler. Il est impressionnant. Les trois derniers pas, ils sont horribles. Parce que là, il manque une dalle déjà. Donc tu dois mettre ton pied ici. Donc déjà, ça descend. Après, t'as le trou. 1, 2, et après, ça envoie. C'est ça qui est horrible. Ouais, ça passe. Ouais, ça passe. Ouais. Allez. Oh, il est trop chaud. C'est grâce au loup, ça. T'as mis la pression, mec. Oh, fuck yes. Oh, putain. Allez, suivre ce boss Dylan Taylor. Dylan TSV sur Insta, les gars. Merci, Mathieu. Putain. Je vais pas réessayer. Parce que là, ma petite cheville, elle fait... Oh là. Doucement, mec. Donc, tranquille. Je vais me garder pour les autres joueurs. On a plein de choses à faire encore. Faut savoir, des fois, s'avouer un peu vaincu. Ouh. Yes. Bon, c'est sur ces belles images qu'on finit la vidéo. Nous, on a trop kiffé bouger en Angleterre. À vivre des moments avec la commu anglaise parce que c'est des mecs hyper inspirants. Et oubliez pas qu'on a un shop de vêtements, on vend toutes nos fringues, du coup si vous voulez nous soutenir, allez checker. C'est ce qui fait qu'on peut continuer à faire des voyages, continuer à faire des vidéos, continuer à vous faire kiffer et se faire kiffer. Allez, ciao !